Je viens de passer un coup de rouleau sur ce canapé-là. Tu remets déjà tes poils, mademoiselle? Fatigué. Ça y est? Déjà fatigué? Maman. Hé, mademoiselle. Bon, franchement, mais merci. Alors, qu'est-ce que tu manges? Une soupe miso, un thé au bouton de rose, des ailes de poulet frites avec du piment et une salade. Avec du poulet. C'est par ma fille ou sa mère. Bon appétit. Merci mon bébé. Dans ce lit, après tu viens directement à la maison parce que tu fais ton sport à la maison. Tout ça, non? Tu viens directement à la maison? Il y a une tente là-bas. Ouais. Voilà mon repas de ce midi. Ma mère m'a acheté une bonne salade César avec des croûtons de chez Paul. Regardez-moi ça. Oh! Il y a plein de bonnes choses. Voilà. Ma mère vient de s'acheter une nouvelle voiture. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ta nouvelle voiture? Oh, ça va, franchement, j'ai démarré. J'ai fait des tests. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Félicitations. Merci. Un petit 3000 euros, quand même, c'est pas rien. Mais c'est une 307. Je t'ai dit, hein. Je t'ai dit, mais ça va. Je suis tranquille là maintenant. Je vais plus te fatiguer avec ta voiture. Je vais te dire, ma fille, passe-moi la voiture. Attends encore une semaine. Attends encore 2 semaines. Attends encore 3 semaines. Non, voilà. Ça va. Ouais, t'es gentil. Franchement, t'es un amour. Fais un bisou à maman. Voilà, Alors, voilà. toi. Il y a une montgolfière là-bas. Une jolie montgolfière tout au fond là-bas. Sur la voix, dans la caméra, et moi je la vois. Voilà ce que Noé a choisi au magasin. C'est un burger poulet curry. Et il a l'air beau, hein, regarde la taille, la différence. Ouais, tu vas te mettre bien là. Vas-y. Bah alors Sephora, tu voulais t'asseoir? Ah les jeux, ah les jeux, le sport.
On est derrière la piscine. C'est bon, t'as réussi à te servir de l'eau? Ok. Hello les Frenchies. Je suis partie à Auchan. J'ai pris des beignets au chocolat pour Aaron et Sephora. Et Aaron a déjà mangé une crêpe au chocolat qu'il n'a pas terminée. Du coup, je l'ai mis là-dedans et là-dedans. Il terminera de manger plus tard. Sephora a déjà pris son beignet au chocolat. Toi, tu bois de l'eau? Oui, toi, tu bois de l'eau. On t'a vu te servir. Avec ça, j'ai pris du blanc de poulet comme ça. Alors, pour une tranche, il y a 30 calories. Ensuite, j'ai pris des tomates cerises comme ça, là. J'ai pris de la salade. C'est pas pour la pizza. J'ai pris une salade iceberg. J'ai pris deux paquets de saucisses comme ça pour les enfants. Pour moi, j'ai pris du fromage comme ça. Goût emmental. Brie Delight. Mais ça, c'est parce que je compte me faire des tortillas. Alors, j'ai pris deux paquets de tortillas comme ça. Extra fines. Parce que dans les basiques, c'est très calorique. Mais dans les fines comme ça, pour une tortilla, il y a 96 calories. Donc, je peux en manger deux et garnir deux. Ça, ça 19 calories par carré. Du blanc de poulet de Old El Paso. T'as vu? 96 calories par tortilla. Voilà. Et avec les autres, j'achèterai sûrement des frites et des trucs comme ça. Faire une sauce fromagère et puis faire des trucs pour les enfants. Genre manger tacos, mais maison. Il y a des nuggets. Il y a tout ce qu'il faut. Suffit juste que... Même pas, j'ai du fromage aussi. Suffit juste que j'achète des frites et que je fasse une sauce fromagère. Je vais me faire mon deux wraps. Je vais mettre ça. La salade. Du blanc de poulet. Des fondants comme ça. Des carrés de fromage. J'ai sorti des tomates cerises comme ça. Et des cornichons. Et du piment. Je vais en faire dorer deux. J'ai pris des galettes extra fines comme ça. Il y a 96 calories par wrap. A few moments later. Je les ai un peu chauffées pour que ce soit plus facile à manier. Bon. Là, je vais mettre deux carrés de fromage. Les fromages là, ils sont à 19 calories par carré. Donc je vais pouvoir mettre 2 carrés par feuille pour que ça me fasse 500 calories en tout. Et encore, quand j'ai calculé, ça faisait pas 500. Là. Et de fromage pour que ce soit bien vu que je vais pas mettre de sauce à part mon piment, donc salut boss. Wendy, salut, tout va bien? Oui, bien sûr, très 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 bien. Pourquoi? J'aurais voulu qu'on reparle de ma promotion. Oui, non. Elle a raison d'avoir peur. J'ai pratiquement pas dormi depuis l'autre nuit. Et c'est à cause de toi. C'est une déclaration d'amour ou quoi?
Attends, tu vas voir. Electroman. Ouais, c'est mon super héros, je me suis trouvé. Electroman. Ah d'accord. Tiens. Comment c'est possible? Non. Et j'ai compté 4 tranches, donc 2 parts. Voilà. Pas mal, hein? Son fils, il croise un poisson très bête et bleu. Et elle chante, nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi. Où allons-nous? Pêcheman 42 Wallaby Way, Sydney. Mais tu t'es trompé, oui, c'est Nemo, mais tu t'es trompé. Bah oui. Parce qu'il n'y a pas un poisson qui vient manger tous les autres poissons qui sont là. Mais c'est pas un requin non plus. Quand son fils s'enfuit, c'est pas pour ça qu'il s'enfuit. En plus, il s'enfuit pas. Il s'est fait prendre par un pêcheur. Ah oui. Parce qu'il est parti toucher la berque. Il cherchait c'était quoi le nom du bateau qui est en haut. Et au lieu de dire que c'était une barque, ils ont dit « Oh, moi, je sais ce que c'est. C'est une berque. » C'est les 3 petits cochons. Oui, oui, non, avec raison, ce sont les 3 petits cochons, pas les 3 des maisons. C'est une fille qui n'obéit pas à ses parents. C'est Fora. Non. Oh. Et elle part dans une petite porte dans sa chambre. Et elle passe dans un monde où sa mère et son Coraline. Yay. Attends, à ton tour de faire compter. C'est l'histoire d'un jeune garçon, qu'on va dire qu'il a 17-18 ans. Ouais, 18 et 19 ans, hein, qui habite dans un ananas au fond de l'eau. Bob l'éponge carré. Et son travail, c'est de faire des pâtés de crabe avec une recette spéciale. Un petit plancton. Essaye de voler tous les jours la recette. Ok, à ton tour, Aaron, à ton tour. Tous les jours, ce cassos là, il n'arrive pas à voler la recette. Un éléphant qui se balançait. 7, 10, 21. Hello les Frenchies. Il y a Ron qui est malade derrière là. On est tous les deux malades. Du coup, il n'est pas parti à l'école aujourd'hui. Il a le nez bouché, mal à la tête, pareil que moi. Avec tous ces. Il fait beau, il fait froid, il fait beau, il fait froid. On est tombé malade. Alors aujourd'hui, j'ai reçu 2 colis. Un Shein et un Timur. Je vous montre d'abord Shein. Même si ces abrutis là, ils ont collé 2 étiquettes. Voilà. Et il y a eu un problème de livraison. J'ai dû appeler la poste pour mettre les choses au clair et donner l'adresse qui était bonne dessus, quoi. En bordée 13. Alors, j'ai pris un petit boudin comme ça là. Ça va servir à quand je vais me faire mes ongles. Vu que j'ai pas mal de partenariats avec les Madame Glam et tout. Au moins je peux me. Toc toc toc.
Ça permet d'avoir les mains, les doigts en hauteur. Ensuite, j'ai pris un scraper comme ça pour l'aquarium de mes poissons. Ça s'assemble comme ça. C'est pour nettoyer l'intérieur. J'ai déjà un truc en mousse pour nettoyer. Je crois que je vous avais déjà montré. Mais... Est-ce que ça s'agrandit? T'es pas censé t'agrandir, toi? The fuck? Je crois que ça s'agrandissait. Je crois que j'ai pris un petit. En même temps, c'est pas un énorme aquarium. Alors, les parois, comme ça, ça enlève les algues et toutes les saletés, quoi. Avec ça, oh, j'ai vu que ces faux ongles là, étaient pas mal, avec pas mal de likes. Du coup, je les ai pris. Et en dernier, j'ai pris ça fait la pierre là, tu la mets dans le fond et ça fait plein de bulles. Il y a déjà un filtre, il y a déjà un truc à air. Il y a une pompe et un filtre, mais j'ai pris ça en plus pour faire des petites bulles en plus, pour que ce soit moins ennuyant pour eux. Voilà. Maintenant, voyons voir. C'est le dupe du bug bag. C'est un sac de plage et de piscine, mais qui respire. Et j'ai pris pas mal de choses aussi dedans. Alors, ils ont mis dedans pour que ce soit plus facile à livrer. Bon, là, il faut que je le redonne sa forme, mais oh, il est magnifique. Voilà. Et j'aime bien parce que, regarde, il est vraiment, genre, il est vraiment rigide. C'est vraiment rigide. Il y a des trous dedans, ça fait comme les crocs. Il y a des trous dedans pour accrocher tout ce que tu veux. Et en bas, c'est... Regarde. Oh, il est magnifique. C'est un sac de piscine ou de plage. C'est un sac exprès pour la piscine ou pour la plage. Et comme les beaux jours sont revenus, bah, je vais pouvoir ramener mes enfants encore à la piscine et à la plage. Et là, il y a les initiales Bug Bag dans le tour. C'est un big. En parlant de piscine ou de plage, j'ai pris... un nouveau maillot de bain pour Aaron, parce que celui qu'il a en ce moment est maintenant trop serré, trop petit. Du coup, j'en ai pris un peu plus grand, avec un requin ici, et ça se serre au niveau de la taille. Avec doublure à l'intérieur, bah, comme tous les maillots de bain. Quoi ? Je ne t'ai pas vu ! Et regarde ça, j'ai pris... une paire de lunettes de soleil pour Aaron, parce que la dernière fois que j'en avais pris une, il l'avait cassée, du coup j'en ai pas racheté. Mais comme il me voit, moi et Sephora et moi, il nous voit mettre nos lunettes, il nous dit, moi quand je serai grand, je vais me racheter une paire de lunettes. Donc voilà, voilà, j'en ai repris une. En espérant que cette fois-ci, tu casses pas. Hein. Cette fois-ci, Aaron, il faut pas casser. Tiens. Maintenant que tu as des lunettes de vue, tu sais qu'il faut pas casser. J'ai pris une perruque. Une perruque, j'avais juste envie de tester un peu leur perruque. Et comme souvent j'aime faire des vidéos en mettant des perruques, vous me connaissez, les anciens et les anciennes me connaissent. Là il faut que je recommence à les mettre. C'est une perruque avec une petite frange ici devant. Et c'est deux tons. Regarde. Oh, c'est tout doux. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est magnifique. C'est une perruque synthétique, mais ça va, ça fait pas trop fake. Voilà. Peut-être pour ses bras aussi, peut-être qu'elle voudra mettre des perruques en vidéo. Là, un lot de bracelets. Mais ce n'est pas pour moi. C'est pour singe Fora. Avant, je lui prenais tout le temps des bracelets comme ça quand elle était plus jeune. Et elle les perdait, elle les cassait, elle les donnait à des copines. Et du coup, là, j'ai dit, bon, je vais recommencer parce que j'aime bien le bruit.
J'aime bien ce bruit là. Donc j'en ai repris, on va voir si elle aime ou pas. Il y en a, je crois qu'il y en a 15 ou 20. 2, 4. Bref, il y en a 15 ou 20. Je sais plus. Ensuite, j'ai pris des semelles comme ça pour mes baskets, pour quand je vais au sport. Parce que j'ai remarqué que j'ai souvent mal ici, là. Quand je fais mon sport, j'ai souvent mal ici. Du coup, j'en ai pris des bien rembourrés. Oui, mon bébé, je sais, t'es malade. J'en ai pris des bien rembourrés. Pour quand je marche, au moins, ça va pas me faire mal. Et en plus de ça, comme je savais pas si ça allait fonctionner, si ça allait bien fonctionner ou pas, j'ai pris en plus une paire de silicone comme ça à mettre sur ton pied. Donc là, c'est fin, mais ça s'adapte, tu vois. Ça s'adapte à la forme du pied. Là, tu mets ton doigt du milieu et tu fais passer le reste là, comme ça. Les baskets, et comme ça, ça te fait double protection. J'ai remarqué que ça me fait souvent mal ici, là. Ensuite, après ça, j'ai pris un lot de 50 piercings. Vous m'avez demandé, j'ai vu dans les commentaires, plein de personnes me demandaient où est-ce que je prends mes piercings. Bah, je les prends un peu partout, mais plus sur Chine, les dorés que j'ai là. Les dorés Shein, j'en ai pris plein. Et là, j'en ai pris 50 sur sur Timo. Des formats différents, des couleurs différentes. Ne monte pas là-dessus. Écrit, je paye mes impôts, je suis engagé dans des associations. L'amitié corporative, l'archéologie. Moi, j'étais dans l'armée de l'air comme lieutenant-colonel. Jean-Marc, 82 ans. Oh, mais ils mettent leur prénom. Oui. Lucas. Ça dépend dans quoi on s'engage. Politique ou romantique. Louise, 26 ans. Alors, non, comment je suis. Yo. Yo. Monstre, allez, on y va. Allô. Le jour s'engager, c'est... Tu vois comment il fait? Maintenant, en légumes, vous pouvez mettre un de chaque. Hein? Ils sont les légumes. Haricots blancs ou haricots noirs? Tu conseilles quoi? Les deux. Oui. Hein? On met les deux. On aime tout le monde. Je crois que le blanc il fait péter. Hein. Ouais. En viande, je vous conseille le poulet. Vous voulez le poulet? Le poulet. Oh, le poulet en plus, je l'avais déjà goûté. Ah ouais. Laisse passer le monsieur. Ça m'a l'air de ça. Noé, tu veux un supplément viande? Ouais. On va rajouter un supplément viande sur un s'il vous plaît. Kai, tu voudras un supplément viande? C'est suffisant. Hein. C'est suffisant. Moi, je trouve que c'est suffisant, mais lui, comme il a un... Hein? C'est payant. Oui, c'est super. Tu veux pas? Non, ça pique pas trop. C'est bon, hein? C'est bon. Moi, je fais un mélange de toutes les sauces la dernière fois. Attends, il finit d'abord cette galette là. Ouais. Tu sais que tu peux prendre les deux fromages.
Non, tu veux juste le cheddar? Est-ce que tu veux du guacamole? Non. Ah, l'eau. Ah, oui, aussi, épices là. Beaucoup, hein. Très. Beaucoup. Non. Petite salade, tomate. Ça va, ouais? Voilà. Maïs. Mais elle peut rajouter. Un peu de guacamole. En fromage, tu veux du fromage ou pas? Non. Un peu de citron. Attends, il finit d'abord celui-là. Voilà. La verte, la rouge ou les tomates? Elle mange le piment. Elle mange le piment. Mais pas beaucoup. Mais elle met juste une. Moi j'ai. Voilà. Elle mange le piment. C'est une vraie africaine. Tu veux de la mozza avec ou pas? Chipotle. Je te conseille la chipotle. Tu veux? Je dis moi ce que j'ai aimé. Tu testes puis si tu aimes ou pas. Oui. Petit. C'est ça. Oui, ça va et toi? Oui. C'est pour ça que je vais aller te prendre le tacos. Oui. Oui. Oh, oui. Sur place, s'il vous plaît. Regarde comment il fait. On tacos avec de la mayonnaise. Ça. Vraiment un burrito. Hein. Mm-hmm. Vous voyez comment c'est beau? Wow. Ça, là, quand tu manges ça, ça te calme bien. Mm. Moi, j'en avais dit ça. Wow, coucou. C'est beau, c'est tellement beau comment on plie ça. Eh non, moi c'est la partie qui plie là. T'as vu? Wow. Il y a un orage qui arrive là. Ouais. Ouh. Bon, on vient de finir de ranger les courses. Ce sont les courses du mois. Je vous montre le frigo comment il est. Je vous ai pas énuméré tout ce que j'avais acheté parce que flemme. Voilà. Là, placard à nourrir.